Enhardis par le retour de leur héros et roi, Varian Vryn, les fiers humains de Hurlevent ont mené l'Alliance à la victoire contre le funeste roi Lich. La campagne en Orfandre fut victorieuse, mais coûteuse, et ils cherchent maintenant à renforcer leur position stratégique partout dans le monde. Sous l'impulsion dynamique de Varian, l'humanité se prépare aujourd'hui à un nouveau conflit contre son ennemi de toujours, la Horde. Mais le grand cataclysme déchire le monde, et des menaces plus proches réapparaissent. C'est à vous qu'il revient aujourd'hui de défendre votre royaume et l'honneur de l'humanité. Salut à toutes et à tous, c'est FurioRed. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série qui s'appelle « Comment bien débuter dans World of Warcraft ». Donc, alors, tout d'abord, savoir que World of Warcraft, c'est un jeu où il faut remplir des quêtes. Et ces quêtes, on les trouve dans les personnages, là, avec un point d'exclamation jaune. Un plaisir de vous rencontrer. On fait clic gauche dessus. Et on voit l'objectif qu'on doit faire. On doit tuer 6 wards de guerre. On va recevoir 50 pièces et 500 d'expérience. Prenez soin de... Faites accepter la quête. On y va. Vous voyez le nom ici en jaune. Un peu dessus. Choisis en sort en bas comme ça. Voilà. Il est mort. Et à chaque fois qu'il est mort, on peut récupérer quelque chose, un objet. C'est pas toujours les mêmes. Et il y en a pas toujours aussi. Et des fois il y en a même plusieurs. Non, j'ai cru n'importe quoi. On en est à 2 sur 6, c'est marqué ici. On a la liste d'objectifs. Bon, là j'en ai qu'un. Ça remet, c'est le début. Voilà. Alors je clique là, comme ça fait un sort un peu plus puissant. Et un beaucoup plus puissant, même en trop cool, il est mort. Quand je les mets qui droit dessus et une fourrure, on a 4 sur 6. J'ai 26. On replie, c'est pas toujours pareil. Qui droit et on ramasse. Alors pour se diriger, j'ai pas dit, c'est ZQSD comme l'FPS. Ouais, il reste un dernier qui vient vers moi. Et voilà. Donc on a terminé, c'est marqué qu'il faut qu'on retourne vers le monsieur. La map est assez jolie quand même, on se prend très vite dans le mur. On fait clic gauche. Que puis-je pour vous? Et termine la quête. Donc là, il va nous en donner une autre. Où faut tuer 8 espions de roche noire et on va recevoir 40 pièces et 500 d'expérience. La lumière vous bénisse. On va accepter. Et quand on commence, il y a un point d'interrogation argenté. Et bah ça veut dire qu'on est en cours de l'affaire. Et quand on a fini, il changera de couleur, mais je sais plus quelle couleur il est. A chaque fois c'est un peu plus difficile. Donc... Oh!
pense que pour ce premier épisode, je vais faire 3 missions. Je vais faire 3 missions par épisode, après je verrai, peut-être qu'il y en a où je ferai plus. Encore utile. 3 sur 8. 5 pures. Ils sur 8, il m'en reste plus que 4 du coup. Ils sortent pas tous, y'en a c'est des filles, y'en a c'est des filles. Je ne suis pas à portée. Vous voyez, deux là que j'ai tués, celui que j'ai tué avant, celui que j'ai tué là, ils sortent pas. Il m'en reste plus que deux. Il y en a un là-bas. Reste un dernier, on va le chercher juste là. Je dois m'approcher. Ah. Et voilà. Donc on va encore retourner où vous verrez que le point d'exclamation il sera plus argenté. Oui, sur la mini-carte que je me dirige vers lui. Salutations, un plaisir de vous rencontrer. Valiance. Et voilà, on est au niveau 3. Donc vous voyez, là, il y a un prochain point d'interrogation qui est par là, sur la mini-carte. Je vais tout droit bêtement. Désolé les gens, il y a un petit problème, donc on va faire la dernière mission de cet épisode. Ah oui, il est dans le château, merde. Faut montrer la danse que j'ai pas lu en fait. Je vais se diriger avec la carte. Voilà, c'est là. Salutations. Vous avez besoin de quelque chose? Là, on peut lui demander des choses. Mais on va le dire, on a des questions. On se voit plus tard. Et voilà. Donc, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Allez, salut!